une minute pour 6 heures de vidéo. On y est, 6 heures de vidéo, une minute de pause. Enfin, la deuxième en fait, hein, si on comptait le premier interlude musical. Oh là là, l'écho, tuez l'écho avant que ça pousille la vidéo. Voilà. Donc, on va sur le plan. Même si j'ai. Non, il n'y aura rien, il n'y aura rien, on vient d'avoir l'autre il n'y a pas longtemps. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, Duto Fujami, piloté par. Non, Isaac, piloté par Duto Fujami, Fou Furieux, Dead Space 2, sans sauvegarde. D'accord, je ne le ferai plus, je promets. Donc, munitions, hein, je vous rappelle. Ah, d'ailleurs. Oh, bah, voilà. Donc, au niveau des packs de soins, c'était pas mal. Ça, pas mal. Munitions, c'était pas mal. Je m'en sortais pas trop mal. Les séquences qui arrivent sont pas difficiles. À part l'horrible laser, mais qui est encore très loin. Et qui me fait tellement peur que ça... Voilà, ça me stresse. Bon, j'ai fait plein de sucre. Le plein de musique. Donc, ici, on va avoir à combattre des poulets. Des poulets tout cons. Donc, vous faites pas chier, hein. Détonateur ou pas, moi je vais pas jouer avec, puisque après tous les poulets ils sont très scriptés, donc très faciles à combattre. Si je meurs dans 30 secondes, cette phrase je la répéterai plusieurs fois en boucle sur une vidéo. Voilà, on y est. Donc, stase, hein, stase, c'est le maître mot. On arrache les deux jambes, une balle, deux balles. Bon, apparemment, elle a. Non, c'est bon. Ah, dommage. Allez, la papate. Bon, la tête. Je pense que vous comprenez... Enfin, je pense que certains vont comprendre ma façon de jouer sur Battlefield. Pourquoi je suis aussi vite mes joueurs. D'ailleurs, je ferai... Enfin, peut-être avant ou après, ça dépend si je suis mort et que ça fait 3 mois que j'essaie de finir ce jeu. Je mettrai en ligne des... L'enfer sur Terre. Donc, ce sera des parties en M1911 sur Battlefield 3. Donc, c'est des parties que je fais où je termine souvent premier, comme d'habitude. Sauf que je ne joue qu'au M1911 pour augmenter la difficulté. Oui, je me la pète un peu. Un peu. voilà. Hein. Avast, Avast s'est mis à jour. Bon. Ah oui, la dernière fois, je m'étais mis à gauche. Et en fait, j'ai vu qu'à droite, c'est pas trop. C'est un peu mieux. On a l'armement. Donc, nous avons des bébés qui attaquent, plus les unités de base, enfin les unités de base, les poulets. Donc, le mieux étant, vous courez tout là-bas et vous vous mettez en position de tir. Donc, on court tout là-bas. On l'écoute, hein, au cas où. On s'en position de tir. On se peut avancer un peu, hein, pour pas perdre leur arrivée. Ah, j'ai foiré un peu. Un pied, deux pieds. Les mains. Bon, j'ai tiré mal le snipe parce que je sentais l'économie de balles grâce à... c'était un peu louche. Il se peut qu'il y ait un bébé qui traîne, il y en avait 3 normalement. Ouais, donc j'ai fait un tir là sur le bébé pour le fusil chercheur, un truc interdit normalement. L'émission qu'on a, quoique maintenant je crois que c'est pas trop mal, ouais. Donc on va juste faire gaffe qu'il n'y ait pas un bébé qui traîne. Je connais pas leur seuil de dégâts. J'ai bien aimé celui-là qui a fait une espèce de... Je sais pas trop quoi d'ailleurs, vous avez dû voir, hein, il a fait une espèce de tour sur lui-même en bug de collision. On continue à prendre de la vie. Vie en petit pack de soins, hein, foutage de gueule. Ok. Bien. Ah bah justement. Alors j'aimerais savoir, mettez-moi en commentaire, on est censé le voir ici ou pas? Stress. Pareil, je sais pas si l'électrocution, si on attend jusqu'au bout, ça peut nous tuer en fou furieux. Se faire électrocuter, non, ça m'est arrivé. Ouais, c'est assez débile. Mais attends jusqu'à la fin, je sais plus ce que ça fait. Non, je crois que ça annule, c'est juste. Oh, oui. Oh non! Alors, ça, c'est petit 1, une partie perdre 25 munitions, petit 2, se suicider. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était viser avec ça. Sauf que j'avais le fusil d'assaut en main. Donc là, on prend ça.
Je pense que je sais plus trop ce qu'il y a. On casse ça, on récupère le point de force. Donc merci à Bismode. Là on a du, là on a des mines. Voilà, on en a là-bas. J'ai un bruit. Attendez, j'ai pas mis mon casque à l'envers par hasard. Non. Vous êtes peut-être en train de me hurler qu'il y en a juste à côté de moi. On va partir du principe que je suis en libre. Il doit être plus loin, je pense. Ce qui est bien, c'est de les apprendre par cœur le remplacement, mais. Ah! Donc on évite de toute la trajectoire du tir, hein. Comme j'avais dit avant, moi je m'étais fait tuer une fois comme ça. Deux points de force dans la même zone, ça fait toujours plaisir, on crache pas dessus. Détonateur, ça coûte pas très cher. Faut mieux garder le soin, je vous rappelle, priorité numéro 1, la vie, sauf les petits packs de soins. Voilà, j'ai des petits packs de soins, mais bon, ça permettra de. Bah, d'économiser un pack de soins complet. Cette merde, pour ça. Choc laser. Donc le choc laser est une arme qui est la plus puissante du jeu, je pense, en termes de puissance de feu. Donc bah on charge, on tire. Donc, elle est très lente. Donc comme elle est très lente, bah je vous le déconseille. En feu furieux. Par contre, c'est vrai qu'à mon avis, améliorée à fond, elle est n'importe quel ennemi en un tir amélioré à fond, mais beaucoup trop lente. Hein, c'est un il faut, enfin, non utilisable de près, alors que déjà de près on est dans la merde, et un peu trop lente. Je pense que tout le monde a un peu le même avis, hein. C'est une bonne arme, elle tourne un coup, mais trop lente. Donc je n'achète rien d'autre, sauf des munitions peut-être. Munitions, j'en suis où? 31, 120, 59, 13, ça ira, plus j'ai plus de place. Je vous montre, hein. 3 sauvegardes toujours. Ah, oui. Ah, là voilà. Alors j'apprécie que je fasse pas un bruit alors que l'ennemi fonce dessus. Ce qui me laissait supposer qu'il était beaucoup plus loin que ça. Ah, bug de son, désolé. J'espère que ça ne vous aura pas fait rater cette scène. J'ai fait apparemment, ils ont une sens sensible aux parties génitales. Donc ici, tactique habituelle. Bon, on va poser ça parce que je suis trop lent. Donc on doit faire pas mal d'allers-retours ici. Et il va y avoir un nombre incroyable d'ennemis qui va débouler de là. Donc la tactique étant de miner. Hein. Vous commencez à connaître, je pense. Ensuite, moi, il faut que j'aille en bas. J'aille en bas, il me semble qu'on n'aura rien en haut, donc on va. Voilà, on va laisser comme ça. La tactique étant aussi de miner ici, une fois qu'on aura commencé à descendre. Donc on vérifie qu'elle vite à fond. Bon, apparemment. Alors là. Alors là, c'est marrant parce que. En réalité, j'ai voulu me soigner et ça a pris le machin par terre et ça l'a shooté avec. Alors, petit phénomène marrant aussi, c'est qu'apparemment son pote l'a pas raté. Puisque je pense pas l'avoir tué. Donc là, c'était un fail, hein. C'était un fail. J'ai pris cher, j'ai pris un tir direct. Donc voilà le problème. Il est tombé de là, donc il a déclenché les mines sans. Enfin, en fait, l'explosion du truc au-dessus a déclenché les mines sans lui faire. Enfin, sans que lui soit touché.
Donc on évacue les corps. Il y en aura d'autres, hein. Il va y avoir plein. Et on mine derrière. Cette fois-ci, je vais miner ici. On fait gaffe aux crasheurs. Apparemment, ils font pas de dégâts de loin, mais de près. Enfin, pas les crasheurs, les vomisseurs. Ok, danger principal. On cherche et on tire. Ok, on check. On garde fusil d'assaut puisqu'on sait pas d'où ça vient. On repose deux mines. Donc vous voyez un ennemi, bon là j'en ai besoin qu'une seule mais on sait jamais. Ah oui, on a les premiers bébés noirs qui déboulent. Donc ils prennent deux balles de ça, donc là il faudrait que je reprenne le fusil d'assaut si je veux pas gaspiller mes munitions. Je me l'amène un ici au cas où. Ah putain, ok. Stas à fond. On se méfie des endroits à la con comme ça. Ouais, donc voilà, exactement. Je vais balancer de la stase et son jet de vomi kamikaze, on va dire, celui qui blesse quand il meurt, a eu lieu beaucoup, enfin vraiment plus après. Donc je me suis retourné, j'ai eu de la chance. Bon, je pense que le bruit que j'ai entendu, ça venait de lui. Donc, nous en sommes où? Mine là-bas. C'est joli, ça. D'accord. Donc, j'aime pas trop cet endroit parce qu'il y en a un peu partout possible. Bon, en tout cas, on a de la stase. Des vrais bombes. On recharge tout. On est à l'abri. Dans ce genre de situation, vous restez là et vous tapez du pied quand il y a une nuit qui approche. Donc voilà, on l'avait pas vu, on l'a entendu. Je vais réarmer. Ok. On fait gaffe qu'il n'y a pas l'explosif qui est décidé. Voilà pourquoi j'ai quand même une préférence pour le fusil d'assaut. Il les bloque. Il faut que je remine, putain! Ok, voilà. Au moins, je sais que ça me fera pas marcher du dessus. Donc vous avez vu hein, pas mal de petits bébés, mais ça arrivait de partout, ils étaient pas accompagnés, hein, donc comme j'étais bien lent, j'ai rien déclenché d'autre, il y a eu que eux. Je vais ralentir le débit de la voix, ça fait un bout de temps que j'ai pas... J'espère que j'avais pris l'habitude et que j'ai pas pourri le commentary live. Donc... Bon, ça a l'air calme à mon avis, j'ai dégagé tout ce qu'il y avait pour le moment. Donc j'abuse pas assez des trucs qui me sont offerts, surtout que les bombes à stase sont quand même bien pratiques. Donc si jamais il y a un ennemi, on ne tire pas avec ça, hein. Ça c'est un coup à foutre la batterie à perpète et mourir. Donc en fait je sais pas ce qui arrive quand on détruit la batterie, mais je n'essayerai pas, non merci. Ok, on reste un peu calme, on écoute, on entend qu'un... Bon, j'aurais dû staser, j'avais une pompe à côté. Mais bon. Non, j'aurais dû staser, j'ai fait une erreur. J'ai eu en deux balles, mais j'aurais dû le staser. C'est pas une raison. Ok. Ah, vous entendez? Il y a un ennemi au-dessus, je crois, qui doit attendre qu'on passe pour descendre. Alors, j'ai vu un machin jaune, je sais pas ce que c'était. Ouais, exactement. Je viens de sursauter parce que l'explosion a eu lieu sur ma gauche. J'ai cru une seconde que l'explosif était sur moi. Pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée. Donc mine de sauvegarde, tu pourrais les amorcer. Donc là c'est mon mode parano qui s'est mis en marche, hein. Ok. Encore une fois.
On abuse des mines. Elles sont là pour ça. On va déclencher une arrivée en montant. Voilà. Alors on fait gaffe au jet de vomi. Donc là, j'avais oublié. Donc le mur a été de placer des mines à l'arrière. Ah ouais, surtout que là, vu que j'ai tapé dans une stase, une pure stase, on va les appeler comme ça. Donc on est d'accord, hein, les mines là-haut nous ont bien servi, on a explosé deux gros. Je me demande s'il n'y en a pas un autre qui déboule quand on arrive là-haut. Apparemment non, on va laisser ça là au cas où. Je crois que plutôt que laisser ça là au cas où, je vais surtout laisser ça là au cas où. Vous voyez là c'est au casque hein. Non, c'est sur... non il a pas fait de bruit, c'est surtout au... au feeling. Vous voyez ce que je veux dire hein. Ah, ça c'est nouveau par contre. Bon, je vais pas me faire chier, c'est un noir, on prend pas de risque. Là je peux m'amuser à faire ça 50 ans comme je fais d'habitude et me faire attaquer dans le dos et me retrouver dans la merde. 3 mines. Voilà. Ça devrait suffire là non? Donc là c'était au bruit par contre. Hein. Il y a eu une musique d'arrivée des nuits, je me suis retourné, je sentais qu'il allait débouler par derrière. Bien, 2 mines à nouveau gros. J'ai le cœur qui bat la chamade. Je pense que ces bombes là nous tuent d'un coup hein, donc prenez pas de risque si vous le sentez, si vous êtes parano comme moi. Du genre taper du pied. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je sais pas si on pose une mine là ça fait exploser l'autre ou... ou ça nous tue surtout je crois. Non, la prochaine fois qu'on passe, il n'y aura personne cette fois-ci. Bien. Vous voyez, je traverse cette scène sans perte de vie. Bon, j'ai le chargeur plein, donc on va... Enfin, pour 15 balles, je préfère garder des mines. Ah oui, c'est bon. On est une scène normale, là. Regardez, j'ai trouvé un tournevis. Regardez, il y a une pomme d'amour dessus. Ah, désolé, c'est ma petite pause de boisson boire, boisson manger. Ah, vu qu'elle zone un peu sûre, deviendra rare. Ah oui, chercheur en main. Bon, on se débarrasse rapidement. Un tir. Merde, trop loin. Merde! Oh, il fait chier. Faut me déplacer, je crois. Là où je suis, il y a un angle mort. On va attendre, Raté. C'est pareil, j'ai un tout petit timing pour la battre. Ah, purée! Pouce vert s'il est tiré comme un boulet. Comme dirait le joueur du grenier. Pouce vert si... Ah non, c'est... Pouce vert. J'adore. Joueur du grenier, si vous connaissez pas, c'est le moment de vous sortir de votre trou. Non, joueur du grenier, si vous connaissez pas, vraiment, tapez joueur du grenier. Regardez ses vidéos, elles sont magnifiques. Comme moi, il galère. Sauf que lui, bah en plus, c'est des jeux moches.
Donc, les lasers. On vérifie qu'on a assez d'oxygène, donc c'est bon. Pour éviter les blagues, on reste assez proche quand même, hein, pour éviter de se prendre le laser dans la gueule. On calcule un peu la trajectoire, on va pas se mettre là où le laser va. À mon avis, ça le tuera d'un coup. Oh là là, les lasers. Ça y est, ma peur vient de recommencer. Pour moi, les lasers veulent dire quelque chose de très grave. Ok. Bon, machin rouge, il est où? Ah oui, faut que je le récupère. Ça sont de 16 en seconde. Ah ouais, ça fait du tir partir en fait avec le petit fusil d'assaut. Il vaut mieux tirer avec ça que le fusil que le cutter plasma. Donc, ok, donc là la porte est dégagée. Yep, on a de l'oxygène à l'intérieur, il me semble. On a plein de blagues à l'intérieur, hein, faut faire gaffe. La première fois, je m'étais fait tuer parce que je les repère au bruit. Oh là là, pas d'oxygène. Bon, 53, on en a plus loin. Alors, ok, 3, il y en a 3. Ouais, bon. On se met tranquille. Donc, comme ça, au moins, j'ai évité le bug de traverser le sol. Après, il y a un superbe effet secondaire à faire. Voilà, normalement. Sauf le principal concerné. Ah, bah, en fait. Ah, c'est quand on est en. Quand on n'est pas sur le sol qu'on peut tirer balle par balle, sinon il fait quand même des tirs. Ok. Je suis dans les temps. Bon, par contre, munitions. Ça fait longtemps que j'ai pas croisé un stock. Ah, voilà. Bien bourré la gueule ici. Genre, je l'ai passé à côté. Ah non, 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 quel gland. Ok. Alors, j'étais. Voilà, on se souvient. J'étais mort ici à une tentative de fou furieux. Enfin, à une de mes anciennes tentatives de fou furieux. Donc, ici, il y a un bug. Ici, il y a un bug qui fait que quand on recule. Une fois n'est pas coutume. Qui fait que quand on recule, eux aussi, les ennemis reculent. Ils n'arrivent pas à nous attraper. Ok. Ok, bon. Ah merde, surtout pas. On stase, on s'est raté, c'est pas grave. On évite. Mais surtout, on ne court pas là-bas. Parce qu'on aurait, déclenché l'arrivée d'un paquet d'ennemis. Donc, vous avez vu un petit fail transformé en... Non, vous avez vu un gros fail transformé en petit fail, voilà, exact. Donc, voilà, hein, donc, surtout vous laissez pas taper. En fait, au début, j'étais parti là-bas, mais il y a un paquet qui arrive et j'aurais pu transformer ce gros fail en gros epic fail et me faire tuer, ce qui aurait fait un epic fail. Enfin, voilà, je vous passe la suite. Voilà, bien. On recharge nos armes. Donc là, l'étonateur va être pratique. On place des mines à l'avance. Donc on a que des gros, hein, les noirs, les dangereux. Non, on va avoir des ennemis qui approchent, mais... Ok, bon, pas de munitions. Donc pareil, jambes, bras. On fait gaffe à cette espèce de jetée de vomi. Ok, ça va devenir drôle. Bon bah j'ai pas le choix. N'hurlez pas. Ah bah c'est bon, 11. Ah bah c'est ce que j'avais lâché. Donc, les prochains ennemis qui arrivent. Voilà. De là. Alors peut-être pas immédiatement de là, mais pas loin. Faites gaffe, hein. Vu comment on a pris des dégâts tout à l'heure, deux nous exploseraient.
Je me sens un peu couillon là. On va laisser venir. Parce que là, je sais plus s'il y en a pas un qui va débouler direct sur le virage. Ah, bien. Des munitions gratos. Fou putain. Donc, munitions gratos, on va s'en servir. On fait juste gaffe à l'arrière. Et est-ce qu'il va tomber? Alors voilà, genre de blague qui peut nous tuer. Il peut me tuer. Ok. Ah non, non, c'est pas fini. Ouais, vous voyez là-bas. Il était déjà mort. Mais je prends pas de risque. Vous commencez à me connaître aussi. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là. Ok, les amis. Les amis. Mes fidèles. 4. Plus aucune mine libre. J'ai récupéré le point de force qui était là, oui. Ah, 6 balles, ça va pas me plaire, ça me plaît pas en fait. Bon, pas de munitions qui traînent, non, pas de points de force oubliés, non, on passe à la suite. On va jouer à 60 balles, on sent que j'utilise jamais. Des mines! Souriez de temps en temps. Cadavre à la con. Bon, voilà le genre de tenue qu'on ne peut pas laisser passer. Bon bah, on va poser ça, on va poser ça, on va poser ça. Et on va voir tout ce qu'il y a avec ces bombes. Qui de soi max, il n'y a pas photo. Si je savais combien ils se vendent. Qui de stas, putain, on en a plein. Ok. En tout cas, j'ai pas ce que je voulais. En principal. Donc, on passe à la suite. Je suis en crise cardiaque là encore. Ah, oula, j'allais dire rien, j'allais me mettre à courir, mais non. Ici, il y a rien à part les mines. Il y a rarement rien dans ce jeu. Bon, vu que je gaspille, vu que j'ai des munitions à fond de ces trucs. J'ai l'impression de faire un gros oubli ou une grosse erreur là. Donc on sous-estime pas ces merdes hein. S'il y a un bruit, c'est pas qu'il y a un bug, c'est bien qu'il y en a un. On peut pas s'effondrer ici hein, non. Pas chier de mourir parce qu'il y a un effondrement que j'ai encore jamais vu. Donc ici on vérifie que les piles de la manette sont ok. On profite pour voir qu'il est 21h36 et que j'ai un message. Désolé les gars, petite pause. Alors toujours pas fini Dead Space 2. Eh bien vous pourrez lui répondre vous-même. Je vous laisse le traiter de tous les noms. Il a l'habitude. non, c'est un bon joueur. Il a l'habitude qu'on traite de tous les noms comme moi. Surtout à la fin d'un match où on a 2000 points d'avance à 2. Sachant que j'ai moi-même 3000 points d'avance sur lui. Ouais non, pas de blague. On reste concentré. On admire le casque de sécurité qui s'ouvre au moindre contact. Et là, Monsieur Tournevis va vivre son rêve. Monsieur Tournevis va vivre son rêve. Tournevis, tu étais. Tournevis, tu retourneras.
Je ne les démembrerai pas, je suis pas un sadique, hein. Pas comme un certain Bismuth. D'ailleurs, si Bismuth 3 te regarde ma vidéo, laisse un commentaire, ce serait un honneur. T'es mon dieu. Enfin, sauf que t'as moins de performance, mais. Mais tu m'as offert des fous rires magnifiques. Si en plus c'était sur mon serveur Minecraft et qu'on faisait des parties à deux sur Battlefield. Pouce vert. Ce serait magnifique. Vidéo audio. Un jour je recevrai un message. J'ai pas encore à mes yeux. Donc, habituellement les messages. Enfin les messages comme ça signifient qu'on est tranquille. Pas ici, non, pas du tout. Oh non, pas cette scène. Bon, le bourrinage du bouton B devrait fonctionner. Je sais pas. Oh la vache! J'espère que j'ai trouvé des balles avant d'arriver là. Bon, on va gaspiller cette arme. Eh bien, je suis un peu dans la merde là. Je m'attendais à avoir plus de balles que plus de munitions que ça. Il me semble qu'il va se manger un faceplant celui-là. Donc, cette scène-là, vous la connaissez tous. En tout cas, moi, je la connais très bien. On n'a pas beaucoup de noir apparemment par contre hier. Je pensais qu'on en aurait un paquet, mais... Bon, je laisse ça en revendre. Et la blague étant que je vais devoir utiliser une arme que je n'utilise quasiment jamais, le cutter plasma. Ou alors, faut que je fasse le plein de... Non, j'ai pas de balles, justement, donc... Alors, les munitions détonateurs ne servent à rien, puisque l'ascenseur est en mouvement, les mines explosent immédiatement. Oula, ok, bug de son de type décalage. Donc, je vais mettre la pause, puisque je suis pas sûr de ce qui va se passer si je reste là 50 ans. Je vais couper la vidéo, la relancer. Donc désolé, hein, mais c'est pour pas moi avoir besoin de faire un montage après, d'avoir besoin de couper la vidéo, de débloquer le son, de remettre le son comme il est. Donc je préfère faire une capture. Ça me permet de stresser un bon coup là, comme ça avant l'ascenseur. Enfin, je préfère que ça arrive avant que pendant, vu que moi j'ai un écran noir de 2 secondes pendant que ça fait ça. C'est la blague. Donc je remange un petit peu, enfin je remange ça un peu. D'accord, ça vient pas, ça le prix. Heureusement que le micro est pas fort et que le bruit c'est pas entendu. Enfin, j'espère. Si vous avez entendu un bruit aigu, c'est normal. Voilà, désolé pour ce qu'on fait et ces bruits de bouffe au micro. Bon, bah, souhaitez-moi bonne chance, touchez du bois. Ou alors, c'est que bah, la vidéo s'arrête là. Oh, je déteste. Hey, qu'est-ce que je fous, moi. Ça, c'est un coup à ramasser des objets qu'on veut pas. C'est des petits qui vont arriver d'abord. Faut que je récupère un maximum de leurs membres. Ou alors leurs balles aussi. Bien. En fait, il vaudrait mieux que je le lâche et que je balance de la stas d'abord. C'est bien, c'est qu'ils ralentissent, donc j'ai un bon rythme. Ah, ça arrive. On s'écarte de la zone d'impact, même si elle est stasée. Putain, je suis en retard, je suis à la bourre. Ok, on passe aux choses sérieuses. Ça va être un black. Au moins, j'ai toujours une balle. J'aurai assez de balles pour tous ces tués d'ailleurs. Danger prioritaire.
Headshot. Combien de balles? 7, c'est bon, je suis dans les temps. Plein de munitions. Ça va être la fin, c'était le black. Bien. J'ai... Ah si, je me suis fait taper. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais... C'est un simple qui m'a tué. Un simple. C'est un mec simple qui m'a tué. Mais il m'a quand même... J'ai pu prendre moins de dégâts quand même. Ok, on va pas laisser sur l'ascenseur. Jamais de mal. J'ai eu un gros plan sur jamais de mal. Ah ah. Ok, je reste concentré. Je reste concentré. Je ferai mon attaque cardiaque après. Pour l'instant... Je suis tué ma dope, tué ma dope. Putain, j'ai même plus la force de dire ça. Pourtant, j'ai une scène marrante à dire ici. Imaginez dire la dope et plein de blagues dessus. Tu es ma dope. Oh la vache. Espèce de poney. Bon, d'accord. C'est Pink Amena. Elle vient de repasser en mode Pinky. Ma main droite ne répond plus. Ma main droite a eu une attaque cardiaque. Oh, j'aime pas que ça m'arrive. J'ai la main droite toute crampée. Je vais faire un AVC dans 3. 2. Ok, ok, ok. Donc, je me la pétais un peu. On raconte 37 000, d'accord. Donc, j'ai un peu sur... Oh là là là. Donc surtout ne l'achète pas, puisqu'on n'aura plus le bonus, enfin on le fait mais pas tout de suite. 10 000, 3 000. On vend ça, ça sert à rien pour le moment. On va vendre ça. Non, parce qu'on a la tenue avancée qu'il va faire. Donc on l'achète jusqu'à ce qu'on ait 36 000. Donc ça faille le pas. On fait des petits calculs mentaux, voilà. Ensuite, on essaie de se réhydrater la main droite. Alors, la console ne frise pas, s'il te plaît. Alors là, on a la tenue classe du jeu. Oh, le sang! Ah oui, comme je ne meurs jamais, les taches de sang que j'ai sur moi restent du début à la fin. Sauf quand je change de tenue, hélas. On voit quand même, j'avais pas été trop touché, hein. J'avais pas trop de sang sur moi. Ah, putain! Oh, cette poney, voilà, ça va être mon nom pour les insultes violentes. Ah, elle m'a foutu les boules, j'avais complètement oublié. Ah, la vache. Alors, je crois que c'est une scène compliquée. Ce qui fait que j'ai plus de balles. Ah, j'ai maintenu quand même, j'ai maintenu V4. Ah, en plus, j'ai acheté plein de trucs, mais je vais y penser, j'ai quasiment tout amélioré. Donc, c'est le moment d'améliorer le... L'arme d'assaut, en prévision du boss de fin. Donc le boss de fin c'est quoi? C'est des petits, donc ils meurent en une balle. Traduction. On va chercher le matériel intéressant pour cela. Et ensuite on va améliorer. Et voilà, c'est toujours la grande question du siècle. Détonateur pour tuer les noirs en un coup, cutter plasma je pense. Je vous entends tous hurler que t'es en plasma. Mais... Donc là j'ai une arme d'assaut qui contient beaucoup de balles. Donc ça va me permettre de vider mon inventaire. Plusieurs fois à chaque fois. Combien? 200 non? C'est pas 200 normalement. J'ai pas raté un point de compte de machin. Non. Ah étonnant, je croyais pouvoir en stocker 200. Bon bah c'est ça de prix en tout cas. Donc voilà, pour le boss de fin ce sera mon arme. Enfin en fait contre, vous savez, il y a une armée de petites merdes, donc moi je les arrose à ça et puis quand il y a le boss de fin, bam 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 balabalabalam. Bon je viens de faire un bruitage ridicule hein, on va mettre ça sur le compte de la fatigue et du stress. Ah oui c'est vrai, je me souviens. Forage en cours. Ta-da. J'ai pas pris de dégâts. J'ai pris un dégât, une barre de vie sur ma dernière tentative. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Épisode 12. Donc l'épisode qu'on vient de passer était un peu long. Donc nous avons à présent la tenue niveau 4. Donc frise pas console, hein, frise pas. Et donc nous voici donc à l'épisode 4. Épisode 4. Oh, épisode 6h. Alors oui, donc on va faire un petit check. Au bas au cas où. Inventaire, paquet de vie j'en ai. Munitions j'en ai pas mal, même si j'ai pas assez
pour la suite. Il faut j'espère que j'ai trouvé de l'argent ou des munitions enfin bientôt. Donc vous voyez, hein, j'ai la vie à fond. Ma tenue offre une bonne résistance, 20% je crois. Ouais. Ok, donc nous sommes toujours en difficulté maximale. Si j'avais un point de sauvegarde, je vous le prouverais avec les 3 points. Non, tu me sauves, tu ne fais pas des blagues de ce genre. Et donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo là. Ce sera après pour demain. Donc épisode 12. Donc mode fou furieux, Dead Space 2, du Tofujami, tout est dit. Non, pas de sauvegarde, tout est dit. Donc bah voilà, pareil, hein, j'espère que la vidéo vous plaît. J'espère que je n'ai pas remis le débit de ma voix trop vite. Donc je vais faire un test, enfin je vais écouter ma propre voix. Et on se retrouve demain. Pendant que, bah, pour moi, ça correspondra comme d'habitude à 20 secondes. Donc, si vous écoutez les vidéos à la suite, je pense que vous trouvez des similarités dans ma voix. En tout cas, dans le stress de ma voix. Et non, je ne chiale jamais. Hein, c'est juste que quand je suis en tension, j'ai la voix qui tremble. Quand je m'écoute mourir sur les autres vidéos, j'ai vraiment l'impression de chialer au micro tellement j'ai la rage. Et là, j'ai pas la rage. Alors là, j'ai vraiment les boules pour les lasers, en fait. J'ai les lasers qui me restent en travers de la gorge et j'ai vraiment, vraiment peur de cette scène à la con. Et j'ai tellement peur que ça va me tuer, c'est... Donc voilà, bon bah j'arrête de parler, et je vous laisse finir cette journée. Donc bah voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère qu'il y en a qui suivent. Et donc pareil, commentaire ou pas pour la prochaine vidéo, même si bah à mon avis, soit ça a été abandonné depuis un bout de temps, soit bah ça vous appréciez. Et on se revoit demain, ou plus tard, ou moins. Enfin voilà, bon bah je suis toujours aussi fort pour les fins de dialogue. Bonne fin de ce que vous voulez à tous, ciao.